Un penseur comme René Girard a développé toute une théorie, qui est la théorie du désir mimétique, c'est-à-dire je copie mon désir n'est toujours médié, c'est-à-dire je copie le désir de l'autre. Au départ, je n'ai pas de désir, c'est l'autre qui me donne un objet à désirer. Et donc, lui montre que le désir est structurellement homosexuel dans le cas de Proust ou dans le cas de deux hommes pour une femme, puisque c'est toujours un autre homme qui guide le désir pour une femme. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette vision du désir? Je ne pense pas que René Girard a bien compris l'amour homosexuel. Mais je pense qu'il y a une espèce d'amour hétérosexuel qu'il a très bien expliqué, qui commence peut-être théoriquement avec Stendhal, où il parle de... qu'est-ce qu'on dit Il y a cette crise quand quelqu'un, par exemple, il dit dans De l'amour que si deux amants sont ensemble, mais personne n'a jamais mentionné le mot amour dans leur présence, ils ne tombent pas amoureux. Et donc, il y a ce moment dans La Chartreuse de Parme. Oui, où, purement mimétique pour René voilà, Girard. Oui, tout à fait. Et je suis d'accord avec lui et je pense qu'il a bien. Compris ce mécanisme d'imitation. Et même quand j'étais tout jeune, je me suis demandé pourquoi il y a, tous ces hommes chez Balzac, dans les romans de Balzac, il y a tous ces banquiers, tous ces grands hommes qui tombent amoureux de la même femme. Mais quand on marche dans la rue, il y a beaucoup de belles femmes. Pourquoi il y a une seule qui est comme la reine de Paris et tous les hommes font la concurrence pour elle, c'est parce qu'ils veulent avoir ce que les autres hommes veulent avoir. Et donc, pour la concurrence, il faut avoir un seul but et butin. Et donc, il y a deux, trois femmes qui sont cherchées par tous les hommes à Paris, qui n'est pas raisonnable. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui tombent amoureux des hommes qui ont eu des histoires avec des femmes célèbres. Donc, si on sait que ah, lui, il a couché avec cette actrice hollywoodienne, ah, je veux avoir une histoire avec lui. Oui, ce que dit René Girard, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il dit que tout désir est désir d'être. Oui. C'est-à-dire qu'on choisit, on a envie d'être quelqu'un avant de choisir l'objet qu'il aime. Oui. Je pense que ce qui, quand on parle de l'homosexualité, il y a. Souvent, chez les homosexuels, on confond le désir de l'être et le désir de l'avoir. Donc, par exemple, je vois un bel homme et je veux l'être. Moi, je veux être cet homme qui est si beau. Mais en même temps, je veux l'avoir. De le posséder. Faire de le posséder. Et donc, je pense que les deux modes d'aimer sont très confondus chez les homosexuels. Et c'est, il y a beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, si on parle d'une pièce de La Biche ou une comédie où tous les amants cherchent tous les autres amants, ça fonctionne beaucoup mieux chez les homosexuels parce qu'un hétéro peut avoir une histoire avec cette femme ou cette autre femme, mais pas avec l'homme qui est l'amant de cette dame. Mais dans le monde homosexuel, on peut avoir une histoire avec tout le monde. Tous les autres hommes sont disponibles.